À la base, c'est clairement des influences soul. Donc, mon son pourrait. J'appellerais ça du feel-good music. Tu sais, c'est vraiment comme. C'est pas que je déteste ça, mais je fais vraiment pas de rap agressif. Je fais rien d'agressant. Pas à cause que j'aime pas ça, j'en écoute plein. Mais on dirait que. C'est pas moi, genre. J'aime pas ça comme. Faire un beat qui est méchant pis qui a le goût de tout casser, tu sais. Quand t'entends un son pis que c'est le meilleur de tout. Le monde parle beaucoup de moi, mais y a pas juste moi, tu comprends? C'est parce que je suis un peu la tête qui représente Hotbox, mais on est vraiment quatre pis je tiens vraiment que le monde le sache que c'est vraiment quatre têtes Hotbox et c'est nous autres qui font Hotbox et, pas, et non moi tout seul. Quand t'entends un son pis t'as le goût de pleurer. Ouais. Une chose est sûre, c'est que tout ce qu'on va proposer à quelqu'un, c'est de la qualité. Maintenant que tu aimes ou que tu aimes pas la composition, c'est autre chose. Mais c'est sûr que c'est bien fait. Il n'y a pas de fausses notes, il n'y a pas de fausses basses, il n'y a pas de quelque chose qui est mal mixé. Je vais toujours te donner un produit qui est bien terminé. Moi, je dirais que c'est quelque chose de très mélodique le plus possible. Quelque chose qui te rend heureux puis qui te donne une émotion particulière, que ce soit de la joie, la tristesse, peu importe, ça dépend. Mais je pense que c'est pour ça, à la base, que je fais de la musique. C'est pour toucher les gens qui vont écouter ce que je fais. Puis il faut que, quand je travaille avec quelqu'un, c'est toujours quelque chose que je précise. J'ai toujours une histoire derrière chaque beat que j'ai produit. Vraiment, toutes les beats que j'ai fait, il y a quelque chose qui s'est passé, puis c'est pour ça que je l'ai fait, que ça soit une peine d'amour, que ça soit la perte de quelque chose, ou peu importe. Il y a une émotion qui passe à travers ça, puis c'est mon moyen à moi de m'exprimer, la musique, tu sais. Moi, je crois pas qu'il y a un son typique à une année, whatever. Il y en a qui disent qu'il faut sonner telle année, qu'il faut sonner 2007 vu qu'on est en 2007. Ça, c'est pas une affaire de style, c'est une affaire de technique. Puis c'est vrai ce qu'ils disent, c'est qu'il faut se rapporter aux standards techniques. Si on a la chance de faire sonner ça le mieux possible, on le fait sonner le mieux possible. Mais qu'il n'y a pas de style propre à. Il n'y a pas de style contemporain. T'sais. Puis s'il y en avait un, puis s'il fallait tout suivre un style contemporain, mais ça créerait quelque chose de plate en crise. Je pense que c'est ça, notre force, c'est qu'on donne toujours une qualité. Même si quelqu'un commence, je vais pas lui donner un dernier beat qui reste dans mon ordinateur mal fait. Je vais quand même lui proposer quelque chose qui est bien fait puis que moi, personnellement, j'aime aussi, tu comprends? J'aime avoir une texture, une couleur précise, mais à toucher plusieurs styles tout en gardant ma couleur. Hein. Je pense qu'on parle plus de couleur, tu sais. Ouais, je pense que c'est ça. Voilà son.